Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes de 19h-21h sur TSO Radio. 19h-21h sur TSO Radio, nous sommes toujours avec Julio Vignier, le youtubeur de 20. Quel âge tu as ? 21 bientôt, mois de juillet. Le 16 juillet. Le 16 juillet, tu auras 21 ans. Je me fais vieux. Bah ça commence gentiment, gentiment. Hein. Tu perds mes cheveux ? Non, ça c'est moi ça. Tu les perds ? Non. Ah. Je pense avoir un ami là, tu vois, mais tant pis. On va essayer de piéger tonton ? Ouais. Jean-Pierre, 60 ans depuis la semaine dernière, enfin la semaine d'avant même. Et donc on va essayer de lui faire croire, hein, c'est sur ta proposition, que tu t'es battu avec l'ami qui t'accompagne. Donc on va quand même présenter Jérémy. Jérémy, ça va ? Ça va. Faut parler dans le micro. Ça va, ça va. Jérémy, le déménageur breton. Et vous allez, on va essayer de le piéger ensemble. Donc, le numéro de Jean-Pierre. Attention, notre... Alors, faut qu'il réponde aux appels privés. Hein. C'est toujours le... Il répondra, il a un téléphone portable avec des touches. D'accord. Donc, oui, dès que ça sonne, c'est... Il répond. Des fois, je lui fais des blagues téléphoniques, ça marche. Il doit en avoir ras le cul, pauvre. On appelle Jean-Pierre, il est d'où ? Dirson. Jean-Pierre Dirson, on l'appelle tout de suite pour lui faire croire que tu viens de te battre avec ton poteau ATSO. Du 07. Ah, 07. Ça disait quoi, j'ai pas... C'est direct. Ouais. Il est peut-être déjà au téléphone, non, je sais pas, je vais essayer de voir de l'appeler, ouais. Essayer de l'appeler. Au pire, tu l'appelles. Allô ? Hop, ça coupe. Puis tu rappelles après, on rappellera après avec le numéro... Voilà, voilà, voilà. C'est bien parce que cette séquence appel débile à chaque fois. Mais à chaque fois, les appels débiles, ils sont. Après, c'est. Appel débile qui porte bien son nom. Ah bah non. Merde ! On a niqué le. Il a plus de batterie. Peut-être, c'est une possibilité possible. Ça va. Qu'est-ce que c'était mieux le téléphone fixe ? Il répond. Bah, il a peut-être un fixe, non ? Non. Non ? Ah. Ah, ça sonne. Ça répond. Mais c'est pas le même. Allô ? Allô ? Voilà. Allez, on essaie de rappeler Jean-Pierre, on vient... Attendez, le numéro... Ah, c'est un autre numéro ? Attends, là j'ai un 40. Ah, c'est bon, il répondait. Au numéro que tu nous as donné ? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Je pense qu'il était au téléphone en fait, JPP. Non, il était à la télé ou en train de dormir. Avec... Ah, il est sur messagerie. C'est-à-dire sur téléphone, dès qu'il sait qu'il regarde les 12 coups de midi, bam, sur messagerie. Non, c'est un bon téléphone, coupe, hein. Là, il coupe, il fait une sieste entre... Les 12 coups de midi à 19h. Ah, bah faut pas mourir, hein. Ah, les 12 coups de midi à 19h. C'est 12 coups de minuit. Mais arrêtez de me mettre mais ça dans la... Une rediffusion. Tiens, il me rappelle. Et c'est pas le... C'est encore il le rappelle, il rappelle, il rappelle en même temps. Ouais, mais... Ah, bah faut pas qu'il rappelle. Tata, garde-le dans les mains, garde-le dans les mains, tu vas retenter. Faut à tout prix que. Merci pour. Faut à tout prix qu'on arrive à le caser avant qu'il rappelle. Vas-y, 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 dis mec. N'aie pas peur, les touches ne vont pas te manger. Les touches du téléphone. Les touches du téléphone. Ah bah le comblage, c'est un métier. Hein. C'est un métier là. C'est vrai que... chapeau pointu. On fait trop de bruit peut-être. Ça sonne, ça sonne. C'est bon, ça sonne. C'est bon. Allô ? Allô ? Allô, qui c'est ? C'est Julio. Ah, inconnu là-bas, inconnu, ça veut dire quoi ça ? C'est mon téléphone qui bug. J'entends rien. D'accord, qu'est-ce que vous voulez ? Bah, je me suis battu avec mon copain. Lequel ? Bah, lui qui m'a emmené, il s'appelle Jérémy, et là, on est au poste de police à Guise. Au poste de police à Guise ? Ouais. Où vous êtes faire là-bas ? Bah, on s'est battu. Oh. Ouais, c'est une connerie, pas... ça. De quoi ? C'est une connerie, ça. Non, 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 c'est vrai. Là, je suis avec les policiers. Oh. Je te le passe. Vas-y. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes ? Monsieur Robert Jean-Pierre, pourquoi ? Bonjour, monsieur. Vous êtes qui par rapport à Julio Vignier ? Mon neveu, pourquoi ? Eh bien, il vient de tout casser dans un local à Guise. Alors ? Oui. Et qu'est-ce que je fasse, moi ? Comment ? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il va falloir que vous veniez le chercher déjà dans un premier temps. J'ai pas. Ah bon, vous remontez à Guise ? Bah bien sûr. Vous croyez quand même pas qu'on va le garder ? Sa mère va venir le chercher, sa mère ? Bah pourquoi pas ? Bah je sais pas, il nous a donné votre numéro, il veut que ce soit vous. Ah bon ? Ah bon ? Et moi, je pisse pas dans mon booster, moi. Hein. Vous êtes en booster ? Ah oui, hein. Ça existe encore, ça. Bon, bref, vous avez pas les moyens d'acheter une voiture ? Ah, drôle, que cette blague là encore. C'est pas une blague, monsieur, c'est pas une blague. Votre fils, pardon. Ce n'est pas votre fils, c'est votre neveu. Intrépide. Il a tout cassé dans les studios d'une radio là-bas à Guise. Oh ? Oui, j'ai mon collègue qui peut aussi en attester, mon collègue, l'adjudant-chef Gibon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et alors, pour la petite histoire, en fait, c'est Julio qui est arrivé avec son ami Jérémy.
Ils sont arrivés dans le studio et je sais pas ce qui s'est passé. Et ils se sont engueulés et Julio a, entre guillemets, pété un câble et a tout cassé dans le studio. Donc le président du local de l'association va déposer plainte contre Julio. Et donc. Faut que je le chercher, c'est une blague ou quoi? Non, 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 vous devez venir le chercher, hein. Sinon, sinon il passe la nuit ici. Hein. Ok. Ah, vous préférez le laisser ici? Non, c'est ce que je vais faire. Belle mentalité, belle mentalité. Eh, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Et baissez d'un ton, hein. Non. Non, c'est ce que je vais faire. J'ai appelé ma soeur. Oui, et donc, ça va faire quoi? Venir chercher. Ah, oui, ensuite. Ouais. Elle va venir chercher, pourquoi bah, mais nous on a Jean-Pierre. On a Jean-Pierre. Il est bien gentil, mais. Qui c'est qui est gentil? Il est bien gentil, moi je suis pas toujours là non plus. Hein, il a tout pété. Moi j'ai des trucs à faire après-midi. Il a tout pété. Écoute, bah. Il a tout pété, il y en a pas. Ah, tu vas fermer ta gueule, le gendarme, là. Vous avez vu comment il parle? Il va te faire foutre. Donc il y aura un outrage aussi, hein. Connard! Julio, je vais lui péter sa gueule. Ma soeur, je vais le chercher. Oui, allez chercher votre soeur, allez. Je vais l'appeler. Oui, appelez-la. Jean-Pierre. Rappelez-le. Il a appelé ma mère. Donc on va devoir rappeler Jean-Pierre et la mère aussi. Vite, rappelle, là, dépêche-toi. Active, putain. Putain, ils vont rappeler la guise. Active. Jean-Pierre. Ils vont rappeler la gendarmerie de guise. C'est Madame Musca. C'est bon. Tu me dis quand c'est... Oh putain, il est en train d'appeler ma soeur. Ah. Et merde. On est dans la merde. C'est ma pote, on m'avait dit stop et je le voyais tellement partir dedans que... Putain, j'aurais pu faire... Appel débile, hein. J'ai appelé ma mère. Putain, j'ai merdé. Là, tu vas t'énerver. Elle est déjà au téléphone. Énerve-toi. Ouais. On va essayer d'appeler avec le téléphone de Julio. C'est ta mère direct? Ouais. Bah mets-le au micro, comme ça on va l'entendre. Elle nous entendra pas, mais au moins nous on l'entendra. Donc là, c'est ta maman. Ouais, on va faire tout. Il y a Jean-Pierre qui est en train de venir à l'église en plus faire. Allô? Maman? Quoi? Jean-Pierre, il t'a appelé? Ouais. Mais c'est une blague. Ah bon, ok. C'est pour la radio. Ils t'entendent tous. On va le rappeler, Jean-Pierre. Non, mais attends, il vient de m'appeler. Moi, tu m'as foutu la trouille aussi. Bon. Désolé, maman. On appelle Jean-Pierre tout de suite. Il est déjà reparti. Bon, d'accord. Bisous, madame. Bonjour. Non, bisous. Ah bah, on entend. Ok. Excusez-nous. Bonne journée, hein. À bientôt. Alors, on rappelle JP, s'il te plaît, mon petit Kevin. On va rassurer JP parce que là, je crois que. Il a stressé. Et là, je dis oui, bonjour, c'est le SAMU. Julio est décédé. Oh, non. Il a appelé ma mère direct. Ah, putain, il va vite, par contre. Alors là, lui. Tac. Allô. Oui, on tape. C'est bon. Jean-Pierre. Allô. Jean-Pierre. Ouais. C'était une blague. C'est le SAMU. Je le sais, pas vu. Non, tu savais pas, Jean-Pierre. Non, tu le savais pas. Je t'ai piégé. Oh, Jean-Pierre, on est désolé. Ah ouais. Ah ouais. Moi, il m'aurait payé mon essence, hein. Ah. Mais bon, mais si vous étiez venu, on vous l'aurait payé, nous, parce que c'est notre faute. D'accord, okay. Bon. Excuse-moi, Jean-Pierre. C'est une blague, Jean-Pierre. Ouais, je m'en doutais un peu. Ah oui. Bah, vous avez marché un petit peu quand même, Jean-Pierre. Qu'il a appelé la maman. Non, quand même. Il paraît qu'il vous fait souvent des blagues, Julio. Ah bah, toujours, ouais. Toujours, oui, bah oui. Donc là, on est à la radio, hein. Il est à la radio à Guise, à TSO Radio. Si tu veux faire tu veux peut-être passer peut-être un mot à la radio. Un big up? Mais qu'est-ce que c'est comme radio? Je m'entends parler. Une radio de merde. Non, c'est une radio des toilettes. C'est une radio locale à Guise. Oh, je m'entends parler d'elle. Jamais entendu, pas. Bah, c'est parce que vous habitez hier son déménagé à Guise. Ça s'appelle TSO. Ah, ça me fait plaisir de vous entendre rigoler. Ça va mieux? Merci, ouais. T'as gagné un booster. Ouais, non. Ah, ça fait chouette. Une voiture sans permis. Par Sébastien. Gagné grâce à l'auto de Cadence. Bernadette et son grippin. Et t'auras une très petite zone avec toi dans la voiture. Bon, on a quand même dû appeler. Bah, du coup, c'est ma mère, la soeur. Sa soeur, ouais. Voilà, on a dû appeler votre soeur parce que vous nous répondiez plus. On avait peur que vous débarquiez votre booster là, à Guise. Il aurait mis une heure pour venir, mais. Non. Bah merci beaucoup, Jean-Pierre. Désolé du dérangement. On vous laisse avec Jean-Luc Reichmann. Enfin là, cette heure-là, c'est comment elle s'appelle, celle qui a remplacé Jean-Pierre Pernod. Merci beaucoup. Anne-Sophie Lacarou. Donc on vous laisse. Je te laisse, Jean-Pierre. On vous laisse sur le carreau. Enfin, avec Anne-Sophie Lacarou. 19h20, bien sûr. A bientôt, Jean-Pierre. Un bateau, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
On a eu peur. On a eu peur. Oui, Alexis, quelle est la musique? Merci, Julio, d'avoir fait participer la famille, d'avoir fait stresser ta mère. Voilà. Le passage ici, la suite de l'émission, c'est... Vous allez faire du pétaclic, là. Bah oui, bah c'est exactement, tu vois, c'est grâce à toi. Merci, merci beaucoup. Mais on. Tu, oui, voilà, c'est grâce à toi. Tu nous as bien enseigné comment attirer le clic. Mais on n'a pas fait exprès. Là, c'est direct, hein, c'est spontané. Ma mère, elle a stressé quand même. Bah oui, j'ai l'impression. Juste parce que tu tapes avec Jérémy. Non, elle a eu peur que les gendarmes, tout ça. Ah oui, là, on a rien à foutre, tu peux te casser la gueule. Il m'a balancé par la fenêtre tout à l'heure. C'est vrai. Oui, voilà. Ouais, on aurait dû dire ça. Il m'a balancé par la fenêtre. On se retrouve tout de suite sur TSO pour la suite, et fin de l'émission avec Julio, le youtubeur local. A tout de suite sur TSO. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.